de Nadia Dam pour les trolls ce matin. Eh oui, heureux qui, comme Ulysse et ma maman, ne dispose pas de connexion internet et n'ont donc pas la tristesse de connaître l'existence du forum 1825 sur jeuxvideo.com. C'est un forum qui, comme son nom ne l'indique pas, ne traite pas tellement de jeux vidéo, n'est pas vraiment alimenté par des personnes âgées de 18 à 25 ans, mais par des gens dont la maturité cérébrale n'a visiblement pas excédé le stade embryonnaire. Ce forum, pour dire les choses poliment, et il représente le bac marron d'Internet, hein, la poubelle à déchets non recyclables. À ce stade-là, c'est pas balance ton porc, mais balance toute la chaîne de fabrication des jambons madranges, quelle comprise, parce que ses membres se sont fixés une mission: harceler, menacer et décourager la moindre initiative féministe. Leur dernier fait d'armes, c'est le travail de sape orchestré contre Elliot Lepers et Clara Gonzalez. Ce sont deux militants, de jeunes militants, qui ont créé un numéro de téléphone anti-relou que les victimes de harcèlement de rue pourraient donner à leur harceleur pour s'en débarrasser et également pour sensibiliser ces relous, ce qui est vraiment une très très bonne idée. Et dans la nuit de lundi à mardi, les membres de ce forum, pas que d'ailleurs, ont organisé un véritable raid pour saturer la ligne, et ça a marché puisque le numéro est toujours hors service pour l'instant. Vraiment, je trouve qu'à ce stade de bêtises crasses et de malveillance, il faudrait que les membres de ce forum songent sérieusement à léguer leur cerveau à la science pour qu'on sache un jour comment il est possible de rester en vie en étant aussi con. Et le problème, comme souvent avec le harcèlement, eh ben c'est l'impunité des auteurs, on en parlait tout à l'heure. Alors qu'il était alerté hier à ce sujet, le patron de Webedia, qui est la société éditrice du forum, eh ben il a expliqué que ces attaques étaient simplement, je cite, « l'expression de la jeunesse ». Alors vous, je sais pas, mais moi quand j'étais jeune, je m'exprimais en essayant de reproduire le porté de Dirty Dancing. Voilà, pas en harcelant des gens. Alors pour ne pas laisser le dernier mot à ces personnes qui habitent seules avec maman dans un très grand appartement, en tout cas c'est ce que j'imagine, je vous suggère plutôt de contribuer à la cagnotte en ligne qui a été créée pour refinancer le service, et sur le site litchi.com. Pour 1 euro, vous sensibilisez 6 relous, pour 5, 30 relous, pour 20 euros, 120 relous, et pour chaque justificatif de don, eh ben moi je vous fais le porté de Dirty Dancing dans ce studio. C'est bien noté, c'est bien noté. On va veiller. Vous n'oubliez pas.
le sait aujourd'hui, un journaliste, c'est soit un chômeur, soit une pute.